Nos internautes, c'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Leonzo Leo, ouvrant cette édition à la présidence où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a proposé la date du 6 avril, journée chômée et payée en mémoire du prophète Simon Kimbangu, un siècle déjà, soit 1921-2021, d'évangélisation, d'expansion du kimbanguisme. Voilà, c'est que l'on a célébré hier mardi 6 avril à Kamba, la ville sainte chère aux fidèles du prophète Simon Kimbangu. Cet événement a été célébré avec faste dans la Nouvelle Jérusalem en présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le musée construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol que sera logé les archives du musée qui porte le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au deuxième et troisième niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le cinquième niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu de Nkamba prévoit également une salle des réunions, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. Revenons à Kinshasa où les diplomates russes et japonais ont été reçus par le speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia. La question de la redynamisation de la coopération interparlementaire et exploration des opportunités de coopération économique ont été passées à pleine fin. Cité à la faveur de la double audience qu'il leur a accordée ce lundi 5 mars au Palais du Peuple à Lingwala. L'ambassadeur russe a dit être venu transmettre la lettre de félicitations du président de la Douma de la Fédération de la Russie. À cet effet, il a discuté de plusieurs questions de coopération bilatérale. Il s'agit précisément de la coopération parlementaire entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo, ainsi que la perspective de la coopération économique et humanitaire dans le domaine de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et Ebola. J'ai vu beaucoup d'intérêt de la part du président de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents. Et j'ai vu aussi le désir de promouvoir les liens interparlementaires et ainsi que la participation dans les forums
qui vont être organisées en Fédération de Russie, on espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Elle était très favorable. Il est vraiment beaucoup d'intérêt pour coopérer avec nous. À peine installé à Kinshasa en tant qu'ambassadeur et chef de mission diplomatique, Minami Hiron a fait savoir qu'il s'est agi d'une visite courtoisie dans la foulée des autres visites déjà effectuées auprès des différentes institutions du pays après la présentation de ce lettre de créance et sa prise de fonction avec le président de l'Assemblée nationale. Ils ont évoqué la longue histoire des coopérations économiques entre le Japon et la RDC. La RDC et le Japon, de la coopération, surtout de la coopération économique. Et le Japon continuera à soutenir le développement de ce pays. Et j'ai souhaité ardemment la formation vite du gouvernement avec lequel je suis prêt à continuer à travailler. Bien sûr, beaucoup de choses, on va discuter. Quand même, aujourd'hui, on n'a pas traité les projets concrets. De toute façon, nous avons l'histoire qui dépasse déjà 60 ans depuis l'indépendance de ce pays. Donc, on va discuter petit à petit en basant sur les projets concrets dans le futur. Le Japon est prêt à discuter des opportunités, des coopérations avec le président du Parlement, a-t-il déclaré au sortir de l'audience. Et de l'autre côté, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa du lundi 5 avril a rejeté en bloc la pétition contre Godé Bouilly sur le 36 députés provinciaux présents. 33 ont voté contre cette pétition. Sur le 36 députés provinciaux présents, 33 ont voté contre cette pétition en conséquence. Elle a rejeté puis Godé Bouilly mettant son fauteuil à la tête de l'APK. 3 se sont prononcés pour la pétition, 33 contre la pétition. Honorables députés, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté contre la proposition de résolution, l'honorable président Godé Bouilly Kadima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après les boycotts de députés pétitionnaires à la plénière, le rendez-vous est respecté par le député présent dans la salle de l'hémicycle. Le président de l'APK a présenté ses moyens de défense en révélant que les pétitionnaires lui avaient exigé quelques billets des banques pour abandonner leur démarche. Quant à eux, autres pétitions qui sont tombées en cascade contre le membre de son bureau, Godé Bouilly a qualifié des pétitionnaires des agents alimentaires. Les députés qui réclamaient la déchéance de Godé Bouilly ont quitté la salle de la plénière. D'après eux, il y a eu d'autres pétitions qui ont visé le membre du bureau de leur institution. La réponse du berger à la bergère après avoir été rétabli à son poste du président de l'APK, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Tshibalabala, fait les points par rapport aux allégations du pétitionnaire.
Les Nations Unies de la République démocratique du Congo a tenu un point de presse ce mercredi 7 avril 2021 pour donner la situation générale de l'insécurité à l'est du pays. Suivez Mathieu Mathias, le porte-parole de cette mission onusienne. Ces manifestations peuvent s'exercer de façon légitime, hors de tout appel à la violence contre des individus ou des organisations. La MONUSCO est consciente des difficultés extrêmes auxquelles fait face la population dans le contexte d'une recrudescence des attaques contre les civils, notamment par les ADF. La mission est mobilisée auprès de ses partenaires congolais pour soutenir les efforts de protection des populations civiles exposées à cette violence et continuer d'accompagner la restauration de l'autorité de l'État dans ces zones, en particulier les efforts des forces armées et de la police nationale. La lutte contre les ADF requiert plus que jamais les efforts conjoints des institutions nationales et provinciales, de l'ensemble des acteurs politiques et des partenaires internationaux avec le soutien de la population. Je voulais également vous signaler, comme vous le savez, nous sommes en phase de fermeture des bureaux de la MONUSCO dans les Kasaï. Néanmoins, le 26 mars, le bureau de la MONUSCO à Kananga a procédé à la pose de la première pierre du commissariat de Nganza dans le cadre d'un projet de réduction de la violence communautaire dans cette commune de la ville. Financé par la MONUSCO, la construction et l'équipement du commissariat en faveur de l'inspection de la police nationale de Kananga comportera deux cellules, un magasin de stockage, du matériel de sécurité, une salle de réunion et des bureaux. Également au Kasaï central, plutôt au mois de mars, la MONUSCO et la PNC ont lancé l'opération stratégique contre l'insécurité à Kananga. Pour cela, 5 véhicules, 2 motocyclettes et 2 lignes d'assistance téléphonique dédiées aux appels d'urgence ont été fournis à la police nationale. En outre, la PNC a reçu un lot de matériel informatique et solaire ainsi que 3 conteneurs pour aider à coordonner leurs activités de protection. Pendant un an, même si la MONUSCO sera retirée à partir du 30 juin 2021 du Kasaï, pendant un an, la MONUSCO va continuer de soutenir la police nationale congolaise avec du carburant pour faciliter leur déplacement. Je donne sans plus tarder la parole à mon collègue militaire à Goma. Comme promis, le mouvement Ekoki Inatosha, initié par Marie-Josée Ifoko, est descendu dans le rue de la Tchango les samedis derniers pour hausser les temps et dire ça suffit aux atrocités perpétrées chaque jour contre les habitants de l'est de la RDC. Chose promise, chose faite. Le mouvement Ekoki a battu le pavé à Kinshasa, précisément dans le district de la Tchango et dans d'autres nations, pour protester contre les meurtres de Congolais à l'est de la RDC qui passent sous silence. Des femmes en majorité, tous vêtues de noir et de foulards blancs sur la tête, en signe de deuil pour les mères, jeunes femmes, hommes et enfants qui perdent la vie au jour le jour. Trop, c'est trop. En tout cas, c'est fini. Comme il l'a défini, Ekoki. La guerre de l'Est ne peut pas continuer à persister dans ce pays et que nous, Congolais, surtout nous, mamans, porteuses de vie, puissent se taire. Alors, cette fois-ci, ce n'est plus le discours. Les ateliers, cette fois-ci, c'est aller tout droit au but et chercher la solution réelle de cette guerre de l'Est. Nous sommes venus ici pour soutenir cette marche parce que nous disons assez Inaïnea. Ekoki, Inatosha, Makumbani, Ifweni, Ekoki, il y en a, c'est assez, trop de morts. Il y a déjà eu 6 millions de morts en RDC. Il y a des femmes qui meurent à l'Est, qui sont violées, juste pour leur terre. Pour Marie-Josée Ifoku, il était temps que les Congolais s'élèvent pour dire non à ces atrocités afin de ne plus être complices par leur silence. Elle a profité de l'occasion pour remercier les femmes vaillantes des Ekoki et d'autres mouvements politiques les autorités pour leur accompagnement. Merci beaucoup ma maman. N'ayez qu'à ce merci Ndenge Boye. Qu'on s'en a mis au poteau et Bakoloba et Koki ensemble. Tonini Peto Senga, mon conseil à ville. Son Excellence Jean-Tinin Gobila, Oya Pessi Bissot, permission, tout ça là. Milulu Oyo, parce que Kozan la période Moko, Tokaï Kosanga Nate. Mais Nathan Otebisi et Tolobi Excellence, Ezali Kamba Mama, Badonneuse à vie. Pessa Bissot Nzela, l'obité Narozonga Simate. Bonjour, autorisation, tout est là et ma boko. Tout est là et ma boko. Merci à mon conseil à boko et à Sikatozoa. Son Excellence Félix Tshiseke Dichi Lombo, nous avons besoin de tout est là et ma boko. Tout est là et ma boko. La Kansabina Babo Moni, ça fait plus de 20 ans, ce qui 24 ans, aux Aliawa, jamais le Kabo Kosanga n'a pas été dénoncé aux Zolekana Est.
il a fallu que Mutua Sikaya oya fungwe na biso nzela po makambo eko kisama. To beteli esu maboko. C'est le 15 mars dernier que le mouvement Ekoki a vu le jour. Elle s'est bat pour que le corps de la femme ne soit plus un champ de guerre par des viols, mutilations et autres horreurs auxquelles les habitants de l'Est sont confrontés au quotidien. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé célébrée chaque 7 avril de chaque année, le docteur Amédée Prosper, chargé du bureau de l'OMS en RDC, fait des points sur toutes les épidémies dans différentes provinces ainsi que la situation générale de la COVID-19 en RDC. Plus de précision. Juste et un monde en meilleure santé. Comme vous le savez, et cela fait maintenant plus d'une année que la pandémie à coronavirus COVID-19 sévit dans le monde entier, y compris la République démocratique du Congo. Et nul doute que la RDC est aujourd'hui touchée en plein cœur à travers 23 provinces sur les 26. Et malheureusement, jusqu'à la date d'hier, ce sont environ 28 377 cas de COVID-19 qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire, avec malheureusement 745 décès. La COVID-19 a frappé tous les pays de plein fouet, mais ce sont les communautés qui sont déjà vulnérables, qui ont été et qui sont actuellement éprouvés. Ces groupes sont plus exposés à la maladie car susceptibles et très exposés à d'autres facteurs de risque liés à la faible qualité des services souvent offerts aux différents niveaux. Ce manque d'équité n'est pas nouveau. Et là, vous le savez, même si le monde a vu une amélioration des niveaux moyens de santé et d'assurance de vie et de réduction de la mortalité prématurée, il faut noter que ces progrès n'ont pas été répartis de manière égale entre les différents groupes sociaux et entre les différents pays du monde. On observe également des différences à chaque âge, depuis les premières années jusqu'à la fin. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, qui est célébrée chaque année le 7 avril, l'Organisation mondiale de la santé a voulu, au cours de cette année, la paroisse Saint-Clément a été incendiée par des inconnus la nuit du lundi au mardi aux environs de 2h du matin. Le père Clément, curieux de cette paroisse, nous fait le point dans ses propos. C'est Père Jean-Louis. Oui, c'est le Père Jean-Louis. Nous avons vu les images qui nous sont parvenues de la paroisse Saint-Clément. On nous dit que la paroisse a été incendiée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment ça s'est passé? C'était à quelle heure? Quel est l'état de la paroisse actuellement? Ok, c'est que la paroisse a été visitée la nuit, autour de 1h, 2h du matin, par les agents civiques. Alors, ils ont mis le feu sur les portes de l'église. Il y a trois portes de l'église qui donnent face à l'avenue, l'avenue Mafuta numéro 1. Et ils avaient le bidon d'essence. Ils ont pris aussi quelques tables sur l'avenue Elengesa, là où les mamans vendent. Ils ont mis ça à côté de la porte, à côté des portes, et ils ont allumé le feu. Et à 2h du matin, c'est un petit qui nous aide à vendre de l'eau. Les voisins avaient son numéro, ils l'ont appelé, ils pensaient qu'il était à la paroisse, il était chez lui. Et le petit m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le feu sur les portes. Alors je suis sorti, j'ai allumé les lampes, tout ce que les courants étaient venus péter, j'ai allumé les lampes de l'église. Alors les voisins sortaient aussi puisqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de flammes et de fumées. Alors ils sont sortis et en sortant avec la sentinelle, on a remarqué qu'il y avait vraiment des flammes et la fumée. Et on a rapidité d'éteindre le feu. Quand on a éteint le feu,
On est parti alerter la police pour qu'ils viennent faire les constats. C'est un peu ça la situation. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas identifier les insectes là. C'est un peu ça la situation. Ils n'ont pas laissé des messages pour dire pourquoi ils sont venus brûler la paroisse. Ils n'ont pas laissé des traces. Non, en tout cas, ils n'ont pas laissé des traces. En tout cas, aucune trace. Merci beaucoup, Père. On garde les contacts au fur et à mesure que la nouvelle évolue, parce qu'on doit informer quand même nos chrétiens, les gens qui veulent en savoir un peu plus. Merci pour la disponibilité et courage. Okay, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le cadre de ses œuvres sociales, Avida Moyo a choisi de fêter son anniversaire avec les orphelins de la commune de Selemba au Sud. C'est un accueil chaleureux auquel Avida Moyo Kassou a eu droit à l'occasion de son anniversaire par les orphelins et femmes veuves de la commune de Selembao. Ces dernières se sont montrées ouvertes et prêtes à embrasser à bras le corps le projet de la Fondation Avida Moyo pour la femme congolaise. Je dirais que c'est un honneur aujourd'hui pour nous tous de recevoir une grande personnalité comme Madame Avida Moyo Kassou. Un mot peut-être, plus qu'un mot d'ailleurs, pour nous. Vous en faites plus que cela, alors pour tout l'amour et beaucoup d'affection que vous nous montrez à tous, car je parle au nom de toute personne présente ici. Nous vous transmettons en retour la même chose avec nous. Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire qui vient de notre part. Touché et ému par cette démonstration d'amour, Avida Moyo n'a pas manqué à dire avant d'expliquer en quelques mots le projet de sa fondation. Ça fait partie à mon père Yabou Nabaye. Yabou Nabaye pour remercier. Puis nous faisons ça, on a poti, on a moni accueil. En tout cas, on a monté ma lama mon bimba. La série bino merci. Et papa, le rita, vous au bon de la, vous la fondation. Et pourquoi la cause a empêché, moi, qu'on a mis sur ma peau pour y aller. Je vais faire maman, bazassima, balatini, puta, oyo, l'obi, ma maman, bazo, fais sa vie sur contre l'andi, y a fond, au fais ça, il va monter, bazo, mata. Mon yamou, ça essaie, mon ami. Parce que, l'objectif de la fondation est ça pour renforcer le commerce à moi. Donc, on fait ça moi si assurance l'activité où il y a ça. Attends, on a un salaté, ma formation est allée d'ici là, tout le monde au Banato, au Lucadino, pour te faire sa adresse. Botine de la mission quelques membres, Baba Baya vous soit formation. Pour prochainement, tous on a sous soi, Tobina, Tokumi Sanzambe, Nabonza Bazo Saïda. Merci. Donc, sa gibessière, en tant que mère, n'est pas venue bredouille. Elle a apporté des vivres tels que des sacs de riz, semoule, savon et d'autres pour les orphelins et veuves. Toujours dans ces chapitres, dans le but de rendre sourire aux orphelins et veuves de différents coins de la ville, province de Kinshasa, Deximassina avait organisé une journée des louanges et d'adoration le dimanche 4 avril à la grande salle de Congo Loisir à Kinshasa. La salle Congo Loisir a servi ses cadres pour les concerts dénommés « Rendre sourire aux orphelins et veuves » des différents coins de la ville-province de Kinshasa. L'ambiance était au zénith et sereine. Plusieurs chantres et invités de marque ont pris part à cette célébration de Pâques initiée par Deximassina, l'homme qui a la passion d'apporter main forte aux orphelins et personnes vulnérables. Répondant à la question de la presse, hôte de cette activité exprime les satisfaits de cette célébration. On a une invitation. D'abord, maintenant, de Nayawe. Yami Balé, Logo Togi Koloba. Merci, Naba Obegi, pour soutenir les orphelins. Nzambe, à la Kissi, vraiment, Bolingone, Katinabiso, Atielo Boko, Batoubaye, va répondre massivement. Pé, Nazo Senga Sous, Bandeko, Obegi, na concert, Oyote. To Lukasusu, pour soutenir les orphelins. To Bolukabiso, partout aux Ali. Bobengabiso, Tokoya,
Notons que cette célébration s'inscrit dans le cadre de la première édition. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur Léon Joléo. Au revoir.